Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 22 mars 2023. 22-2023. C'est un petit peu compliqué de ce temps-là avec les dates. J'étais en conversation juste avant l'émission avec Jocelyn. On ne comprend pas, là. Voyez ma flèche à l'écran. Attends un peu. Oups, un instant. Bon, voyez ma flèche à l'écran, là. On ne sait pas pourquoi Nasdaq est rebondi, pas le TSX, pas le Nasdaq, puis pas le Dow. Juste Nasdaq, les grosses capitalisations, on va aller voir le Q12 tout de suite. Je l'ai déjà. Bon, il est là à l'écran. Bon, Nasdaq est en hausse parce que Apple est en hausse. Attends un petit instant. Je vais enlever la séance premièrement, puis on va se mettre en une minute, parce que c'est difficile de voir sinon, là. Bon, OK, on l'a, là. Ce sera pas long, là. Bon. Vous voyez la hausse du Nasdaq que je vous montrais dans il y a 15 secondes? Bon, mais regardez, Nasdaq est sur le haut du couloir. Bon, je suis encore pogné avec mon maudit OK. OK. Apple est en hausse. Amazon est en hausse. Google, puis Meta, puis Microsoft. C'est des quatre. OK. Apple, Amazon, Google, Microsoft. C'est les quatre seules compagnies qui font monter le marché de Nasdaq présentement, mais on ne sait pas pourquoi. Ça fait 15 minutes que je parlais avec Jocelyn pour savoir, ouais, mais c'est quoi, mais pourquoi? Jocelyn, il ne trouve pas, puis moi non plus, je ne trouve pas. Fait que. La Fed, c'est à 14 heures, OK? Mais, regardez bien, là. Techniquement, là, OK? Le Nasdaq est sur son top, OK? Puis le Dow, il n'est pas sur son top. Le Dow est en train de traverser son support. Le SPY, il y a un petit rebond aussi. Il est plutôt en train de mettre de la pression à la baisse. Qu'est-ce qui a fait monter les quatre grosses
plus grosse compagnie du Nasdaq. C'est drôle, moi, je vois ça négatif. Regarde, quand il n'y a plus rien qui monte, qu'est-ce qui peut monter? Les plus grosses capitalisations. Donc, ce que je me dis, moi, depuis les dernières minutes, là, c'est que les robots de trading, là, et whatever, là, ils ont laissé tomber le reste du marché, puis ils ont embarqué dans les quatre plus grosses compagnies du Nasdaq. Ça, c'est pas positif, OK? Regardez, là. Attendez un petit peu, là. Je vais vous montrer ça, etc. Bon, OK. Le TSX, pensez-vous que c'est positif, le mouvement qu'on voit là? Pardon. Le DOR, voyez-vous que c'est positif, le mouvement qu'on voit là? Puis le SPY, c'est-tu positif, le mouvement qu'on voit là? Non. Pourquoi mon cerveau, il est là, pareil. Regarde, puis Nasdaq aussi est sur un top. Fait que, c'est foutrement compliqué. C'est vraiment compliqué. Dans le moment. Regardez, le TSX est en train de planter lui aussi. Bon, c'est à 2 heures que Powell va parler. Tout le monde pense que Powell n'augmentera jamais les taux d'intérêt. Puis il diminuera pas les taux d'intérêt. Puis tout le monde sait qu'il va rester comme qu'il est là. OK, comme qu'il faisait avant. Fait que là, on fait quoi, là, nous autres, dans le marché, là? OK? Regardez, on va aller sur les marchés, OK? Un petit moment. Bon. Oups. Ça va pas long. Je m'en viens, là. OK. Bon. On a une petite hausse sur Nasdaq. Attends un peu, on va tourner sur les marchés. Bon. Vous voyez la hausse du Nasdaq qui est revenue au haut d'hier, là? Par contre, pendant que les autres sont en train de percer leur support. OK. Bon. OK. C'est quoi qui se passe, cette, là? OK. Comment ça se fait que Nasdaq nous montre une petite hausse quand on n'a pas d'inversement pantoute de la tendance ni de la résistance? Le DOR, il se calme. Excusez. Ah, oh, c'est encore mon problème de souris. OK, bon. Le SPY, il est arrêté là aussi. On n'a pas traversé la tendance. Puis, sur le TSX, on ne l'a pas non plus traversé. Je disais tendance, mais ça devait être le mot résistant. Je suis pas capable de traverser ça. On n'est pas rendu là. Fait que, où c'est qu'on est rendu, là? OK? Bon, on est pogné, là. On est pogné à attendre ce que Powell va dire. Puis Powell, il changera pas la situation cet après-midi. On reste encore dans la même situation qu'on était. On n'a pas changé la situation. Mais là, ben regarde, ou bien je suis devenu sénile, ou bien je suis comme il y en a qui vont dire, je suis sous pendant mes émissions. Hey, c'est ce que je dis, tabarnane, OK? J'ai pas bu une goutte d'alcool pendant 4-5 jours à date, OK? Mais qui viennent me faire chier tout le monde, là, vous ne m'empêcherez pas de dire ce que je vois. J'analyse, je regarde ce qui se passe, mais c'est pas ça qui se passe. Fait que là, regarde, on verra si Powell va changer la situation après-midi, mais on n'a pas de bull market,
on n'a pas de cycle haussier, on n'a pas rien à vous recommander. On avait la plus petite liste impossible à vous montrer ce matin dans les day trades, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, il n'y avait rien, il n'y a rien sur le marché. Fait que, regarde, toujours pas pour moi qui le fait le marché Jupiter. C'est pas moi qui le fait le marché, là. C'est le marché qui est le marché. Puis c'est à moi de l'analyser. Fait que, regardez, on vient d'avoir un petit rebond là, dans les dernières minutes. Pensez-vous que ça change de quoi? Ça change rien dans la journée. Attends un peu. On va se mettre en 15 minutes, mettons. Mettons, on va se mettre en 15 minutes partout. OK? OK, je vois là. OK. On a-tu une traversée de la résistance ici? Non, on l'a pas. C'est juste Nasdaq. Je sais pas pourquoi. C'est pas là sur Toronto. C'est pas là sur le SPY. C'est pas là sur le Dow. C'est juste là sur Nasdaq. Donc, OK, en quelque part, les institutions se sont en allées dans les quatre plus grosse compagnie du Nasdaq. C'est tout. Pourquoi? Je ne sais pas. Jocelyn, attends un peu, je vais aller voir mon collaborateur, Jocelyn. Salut, Jocelyn. Bonjour, Michel. Bonjour, tout le monde. Es-tu capable de m'expliquer pourquoi le Nasdaq est plus fort et que les autres marchés font rien? Oui, c'est arrivé pendant l'émission que je faisais de 10 heures. Là. C'est les grosses techno, mais je pense que c'est ça. Je vais dans le même sens que toi, là. C'est que c'est des stocks de se réfugier. Donc, ça inaugure pas grand-chose de bon, en fait. Là. Donc, c'est la seule raison, là. Que je vois, là, c'est pour se réfugier. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a rien sur les marchés, donc on va dans les grosses capitalisations, là, Nvidia, AMD, Microsoft, tout ça. C'est ça qui sort dans les scans, même. Les cinq premiers qui sortent dans les scans que j'ai ici, j'ai Google, Microsoft, Nvidia, Apple, AMD, Google et Microsoft. Donc, mais ça AMD, va dans le même sens. C'était là à l'ouverture ce matin. Ouais. AMD, il était déjà les semi-conducteurs, ils étaient en hausse au départ ce matin, mais ouais. C'était la seule affaire qu'on avait à rapporter puis qu'on savait même pas pourquoi. Mm-hmm. Oui, c'est ça. On sait pas pourquoi. Puis c'est comme moi, je vais dans le même sens que toi là, c'est que on va se réfugier là. C'est les grosses capitalisations. Il y a un côté sécuritaire dans ça, c'est que ça se renouvelle tout le temps. Mais à part ça, il n'y a pas d'autre chose là, que je vois. On craint les décisions, la décision de la Fed. Parce que qu'est-ce qui arrive, comme j'expliquais depuis ce que j'expliquais ce matin, c'est que la Fed a deux choses principales qu'il faut qu'ils tiennent compte. C'est que l'inflation, on ne veut pas que ça s'enracine. On ne veut pas que l'inflation s'enracine. Et puis, la crise bancaire là, qu'on voit là, depuis les deux, trois dernières semaines. Là. Donc, il ne faut pas trop monter, mais on est mal pris. On ne veut pas descendre non plus le taux d'intérêt. Puis mettre ça à zéro, ça ne réglera rien non plus. Donc, comme on disait ce matin, la Fed est prise entre la tapisserie puis le mur. Oui, oui. Et dans le col. Moi, je dis d'habitude entre l'arbre et l'écorce, mais toi, tu as dit entre la tapisserie et le mur. Mais elle est bonne, elle est encore meilleure que la mienne parce que la tapisserie est collée sur le mur. Oui, oui, la Fed est prise dans le col. Elle est prise dans le col. Fait que, regarde, une des plus grosses choses qu'on a vues ce matin, si on regarde les secteurs, là, regarde, attends un peu, je suis pas à bonne place. OK, là, OK. Là, voyons, c'est sûr que je ne peux pas y aller. OK, bon, OK. Donc, tu vois, AMD était en forte hausse ce matin. Après ça, il a planté. Là, il est en train de revenir sur des petits volumes. Mais c'était à peu près la seule affaire qui
qui montait ce matin. Mais ouais, mais là, tout est en train de redescendre. C'est juste, on dirait que c'est les semi-conducteurs, je sais pas pourquoi. T'as rien trouvé, j'ai rien trouvé, on n'a rien trouvé. C'est vraiment compliqué, là. Ça veut dire que, garde, gardez-vous une petite gêne avant que l'atténuateur se mette à parler à 2 heures. Oui, effectivement. Je me suis fait demander ce matin des positions en swing, puis c'est ce que je disais aux gens, là. C'est comme pas vraiment le temps, là, non plus, là. Il faut attendre, là, que cette tempête-là, là, qu'on voit, là, passe. Et puis, quand les marchés vont se stabiliser après l'annonce de la Fed cet après-midi, là, on pourra considérer, voir qu'est-ce qu'il y a comme de disponible pour de possibilités, c'est-à-dire, et de potentiel comme swing, là. Bien, on voit que le marché a peur, Oui. premièrement. Attends un peu, je reviens sur nos graphiques, là. OK. On voit que le marché a peur. Regarde, le gaz est en baisse, puis il a arrêté de descendre, mais le pétrole est en hausse, puis il a arrêté de monter. OK. L'argent aussi est en hausse, l'or aussi est en hausse. Ça montre la peur sur le marché. Mais regarde, l'uranium est en baisse, les mines sont en baisse. Puis le dollar américain, il fait à peu près rien. Donc, c'est de la volatilité, là. Les day traders s'amusent avec le marché, mais on n'en a pas de direction sur le marché. En swing trading, là, c'est vraiment pas évident. Je vais faire le tour des secteurs après qu'on va s'être parlé. Je vais faire le tour des secteurs. Mais il n'y a pas de début de cycle haussier nulle part, ici, là. Nulle part, nulle part, nulle part. Hey, j'ai commencé à 5 heures un matin à regarder ces affaires-là, puis j'y arrive pas. Pourquoi? Parce que on a que des oui-dire, OK, depuis une couple de jours, là. Il y en a qui disent la Fed ne peut pas augmenter les taux d'intérêt à cause des problèmes des banques. Mais l'inflation est en train de ralentir, ça fait qu'il devrait descendre les taux d'intérêt. Fait que personne ne sait. Personne ne sait. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer. Puis c'est vraiment, vraiment difficile techniquement et fondamentalement de montrer où c'est que ça s'en va. Mais en tout cas, il n'y aura pas de nouveau haut pendant le show, là. Oubliez ça. Regarde, le TSX est en baisse. Le SPY va s'effoirer, le Dow aussi, puis le Nasdaq qui est rendu au bout de son rouleau. Regarde, 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 gabin, gabin, gab, gadon, gadon, OK? Regarde, le Nasdaq, là, il passera pas par là. Oublie ça, il passera pas par là. Il s'en va par là. Fait qu'on va être en correction pendant l'émission. Ouais, comme j'avais dit dernièrement, sur Wall Street, c'est le bordel, comme on dit bien chez nous. C'est le bordel. Puis en plus, nous autres aussi, chez nous, c'est le bordel, là, parce qu'il y a eu des gros problèmes avec les je sais plus comment les appeler, mettre la faute sur qui, là, mais c'est pas notre faute. Notre show, il a parti en retard. On n'arrivait pas à partir le screen. Hey, toi, tu étais en contact avec nos techniciens. Moi, j'étais en contact avec nos techniciens. C'est juste que c'était le bordel chez nous aussi. Fait que je suis Ouais, désolé pour ça, puis on fait une petite pause. Parce que là, j'ai besoin d'un break. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public? Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités.
Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour tout le monde. On rejoint Jocelyn, avec qui je parlais pendant tout le temps de la pause qu'on essayait. Bon midi, Jocelyn. Tu sais, l'affaire des semi-conducteurs, c'est une maudite patente, là, cette affaire-là, parce que c'est à peu près la seule affaire qui monte ces marchés aujourd'hui, là. Mais encore là, c'est un rebond dans la formation neutre, là. OK, attends un peu, on va se mettre toi puis moi à l'écran. Là. Bon, voilà. OK. Non, mais regarde, la hausse des semi-conducteurs aujourd'hui, il n'y a rien à se péter à la tête ces murs, là. OK? C'est pas évident. OK? Pourquoi? Es-tu capable de nous dire? Regarde, je suis sur le top d'un couloir, je suis sur le top du mouvement neutre, puis c'est la seule affaire qui monte sur le marché. Y a-tu des informations là-dessus? Je viens de regarder pour NVIDIA, NVDA. Je n'ai pas la nouvelle traduction en français, mais ils offrent Reveals New AI Offerings, Chips, and GTC Developer Conference. Donc, ils sont dans une conférence. Ils ont un nouveau semi-conducteur concernant l'intelligence artificielle. C'est ce que je vois là, pour NVIDIA là, ce matin. Donc, ça se peut qu'il y ait des... Adobe, ADBE, on va aller voir ça. Ça se peut qu'il y ait des deals avec d'autres compagnies comme Adobe, ADBE, et puis d'autres compagnies comme ça. Mais là, c'est vraiment à brûle pour point que je regarde la nouvelle. Là. Il y a Microsoft, Metaverse. Donc, c'est ça qui arrive. C'est NVIDIA qui offre un nouveau semi-conducteur là, pour l'intelligence artificielle. Merci, Justin. On viendra dans les nouvelles dans une couple de minutes, là, parce que là, je veux montrer que, regarde, ma montée de lait là, sur Nasdaq, là, regarde, Nasdaq est en train de rechuter. Le Dow est en train de rechuter. Le SPY est en train de rechuter. Puis le TSX était déjà en chute. Fait que, regarde, mes appréhensions sont fondées sur ce que je vois, sur ce que je sens. OK, c'est à 2 heures que Powell va parler, qu'on verra bien ce qu'il va dire. À mon avis, il ne va rien changer. Il ne baissera pas les taux d'intérêt, puis ils n'augmenteraient pas. Fait que, à mon avis, ça va rester à la même place. Puis pour l'instant, quand on regarde les marchés, Nasdaq, là, la hausse, là, c'est comme Nasdaq s'est rendu la valeur refuge là, depuis 2-3 jours. Là.
OK? Fait que, non, regarde, c'est pas décollé. Puis sur le dard, on s'est jamais rendu à la résistance, puis on est arrêté là. Puis sur le spy, c'est pareil, on est arrêté là à la tendance. Puis le TSX, c'est pareil aussi, on est arrêté là à la résistance. Fait que, il n'y a pas de cycle haussier, il n'y a pas de marché haussier, il n'y a rien de ça là-dedans. Puis notre job numéro un, c'est d'empêcher le monde de perdre de l'argent. Fait que, regarde, pour l'instant, là, on relaxe, les marchés s'en vont par en bas pendant l'émission. OK? Fait qu'on jasera de toutes sortes d'affaires, là. On fera des recettes de cuisine ou n'importe quoi, ce que vous voulez. Mais comptez pas sur moi pour vous dire, c'est le temps d'acheter ça, là! C'est le temps d'acheter ça, là! On va regarder ça au fur et à mesure que l'émission va avancer. Nvidia est la quatrième plus grosse compagnie de capitalisation du Nasdaq et monte aujourd'hui de 3,5%. Ben, bravo, Jean R. C'est que toi, tu lis tes nouvelles, OK? Mais les nouvelles font pas le marché. Les nouvelles sur une compagnie ne font pas le marché. À garder dans le collimateur, pareil, les semi-conducteurs, parce que, regarde, c'est pas aujourd'hui ni demain qu'on va arrêter d'avoir besoin des semi-conducteurs dans les autos électriques, dans les composantes électriques, dans les énergies renouvelables, tout ce que tu voudras. Le monde du futur, il est dans l'électronique. Oui, mais excepté que, malgré le fait qu'il y a beaucoup de demandes, pourquoi ça monte pas? Je sais pas. Comme je dis souvent, je comprends pas tout. Les technos Nasdaq est un secteur sensible au taux d'intérêt, nous dit Ted. C'est simple, le Nasdaq monte plus que les autres marchés car les investisseurs anticipent un ralentissement ou un arrêt de la hausse des taux. OK, ça demande plus que 30 secondes de réflexion. Là, je vais réfléchir à ça. Jocelyn, il l'a vu aussi, il va réfléchir à ça, on va s'en parler. Nasdaq, c'est GME GameStop qui fait un jump de 42% sur ses earnings. Ben oui, mais puis, tu l'avais-tu acheté hier? Attends un peu... c'est les récréations, ça devrait être là, dans cette liste-là. Non, pas là. 9. Ouais, GameStop. C'est quoi GameStop? GM. Bon, t'es un peu. Ouais, direct, là, parce que des fois, je me souviens plus dans quelle liste qu'ils sont. Ah, OK. Ils ont fait bien de l'argent. OK. Mais regarde, ils ont jumpé, sont allés au-dessus de la résistance, sont revenus à l'intérieur du mouvement de côté. On va regarder ça ici. OK, c'est comme ça. C'est ça, GameStop. C'est quoi GameStop? Je sais pas. GameStop, c'est des jeux vidéo, ça? C'est des jeux vidéo. C'est un des titres aimés par les Wall Street Bets, si tu te rappelles bien. Hein? Non, je ne m'en rappelle pas bien. Ah, OK. Mais la mémoire, elle a ses petits défauts, là. Mais ouais, regarde, ça s'est passé hier à 16 heures, ça, cette affaire-là. GameStop a déjà été sur le bord de la faillite. Mais ça bouge quand même. Non, mais ça bouge, la bourse, ça bouge énormément. OK, donc c'est 23, attends un peu, faut que je recommence mon graphique, parce que 24,5, 27,5... 3 piastres sur 24 piastres, OK. Fait que il y a un mouvement de 10% ici à l'intérieur. Oups, pardon.
il y a un mouvement de 10 % à l'intérieur de cette formation neutre-là, qui est en train de redescendre. Fait que, avant de s'embarquer là-dedans sur un résultat financier de GameStop, je mettrais un petit stop là-dessus. Là. Je suis pas sûr. Ça s'est fait avant. Fait que, OK, attends un peu. Je vais remettre ça en une minute ici pour voir le mouvement au complet de la journée. Regarde, dans le moment, là, GameStop, là, il n'est pas en train de monter. GME. Attends, je vais le mettre en 5 minutes pour montrer juste la journée d'aujourd'hui. Bon, voilà. OK. Bon, regarde, on s'en vient vers le bas. C'est là la hausse. Là. C'est hier soir, là, à 4 heures, qu'ils ont sorti leurs affaires. Puis après ça, mais présentement, là, je vois pas pourquoi on s'embarquerait là-dedans. Non. Je vois pas pourquoi qu'on s'embarquerait là-dedans. Fait que... c'est bordélique, là. C'est tellement bordélique, là. Regarde, les marchés s'en viennent tout à la baisse. On n'est pas rendu à 2 heures, là. C'est pas à voir, on va parler à 2 heures. Pour l'instant, on s'en vient vers les supports, vers la ligne de tendance, puis il n'y a plus rien qui monte, là. Le secteur mélangé, regarde, les autos électriques sont en baisse, malgré qu'ils étaient en hausse ce matin à l'ouverture, là, sont toutes en baisse. Ballard est sur le point de revirer de bord. Plug est tombé négatif. Les airlines sont négatives. Les récréationnels sont à zéro ou moins zéro. Le pot, il plante. Les blockchains aussi. Molune. Puis même les semi-conducteurs, là, ils sont rendus choqués au bout. Il n'a pas beaucoup dormi cette nuit, ça fait qu'on fait une autre pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Hop! Bon retour. Bon, ben ça n'a pas changé. La direction est toujours la même chose. La pause était trop courte. On va aller voir Jocelyn qui va nous parler des nouvelles. Ça va me permettre de prendre un petit break de plus. Bonjour Michel. Rebonjour Michel, rebonjour tout le monde. J'étais après à regarder l'énergie là, qui baisse. On dirait un avion qui est après. Oui, les titres, en plus. Les titres d'énergie. Oui, les titres d'énergie, oui. Ouais. Hey, des fois, Jocelyn, là, ça me fait du bien de que tu sois là. Parce que quand tu étais en vacances l'autre jour, là, des fois, je trouvais ça pénible parce que ça en est une journée pénible pour moi aujourd'hui. J'ai peu dormi la nuit passée. Puis on se parle ensemble, puis on se comprend, toi puis moi, sur le marché. Là. On comprend oui. Là, le marché. Puis quand c'est compliqué, là, puis quand on ne trouve pas de réponse, là, imagine-toi comment le commun des mortels est capable de trouver des réponses. C'est pas toujours facile. Ça ne saute pas en plein visage toujours. Là. En tout cas, aujourd'hui, ce n'en est pas une des journées faciles. Attends un peu, regarde, je mets sur les graphiques. Là. Regarde, je vais montrer au monde.
L'énergie est en train de planter, les stocks d'or, les mines, l'uranium, regarde, c'est tout en train de planter. Puis il y a juste une affaire qui montait, c'était les high-tech, mais regarde, on a commencé l'émission de même, OK? Et Nasdaq aussi a planté le DAR, le SPY, le TSX. Tout est en train de rechuter. Puis là, j'ai dit, garde, prenez-vous une petite raidorette, là, parce que, garde, il n'y a pas grand-chose qui va monter là. Il n'y a pas grand. Peut-être les FNBBSI. On regardera plus tard. Mais garde, je vais prendre un petit break. On va faire les nouvelles avec toi. Oui. Donc, ce matin, à 10h30, on avait les inventeurs de pétrole. Pour moi, sur le site, ils ont fait une correction parce qu'ils avaient affiché ils avaient affiché pour les inventaires de pétrole plus 1,5. Et puis là, ben j'ai retourné voir, puis c'est écrit moins 1,5 million de barils de pétrole. On est à 1 million de barils de pétrole dans le réel, là. Donc, il y a une différence de 500 000 barils. Là. Donc, les inventaires sont à la baisse. Le premier titre, c'est Virgin Orbit. Mais pour revenir à ce que tu disais, là, regarde, le gaz est... attends un peu, on se met toi et deux. Là. OK. Bon. Le gaz était en baisse ce matin. Il a rebondi un petit peu. Le pétrole, il était en hausse. Il est en train de redescendre. Puis le pétrole, lui, s'est pété la gueule. Oui, le pétrolier, oui. C'est extrêmement difficile de comprendre les tenants et aboutissants de cette affaire-là. Pourquoi ça monte ou pourquoi ça descend? Bien, regarde, le pétrole est en baisse, mais les pétrolières sont descendues avant le pétrole. Mm-hmm. Puis le gaz, il n'est pas en hausse, puis le pétrole est en train de descendre. Pff, c'est compliqué en chien. Ah, Wall Street tourne en rond présentement. Là. Pardon? J'ai Wall Street tourne en rond présentement. Oui, c'est une bonne raison. OK, vas-y avec ta première nouvelle. Donc, c'est VORB, Virgin Orbit, qui est en pourparlers avec Matthew Brown pour un placement privé d'actions en capital risque de 200 millions de dollars. Pour vous rappeler là, l'histoire, c'est que en janvier, Virgin Orbit, ils ont fait un lancement. Et puis, ça a mal été. Là. Donc, la compagnie s'est mise sérieusement en doute. Là. On parlait même d'une possibilité de faillite. Ils seraient sur le point de déclarer faillite cette semaine si le monsieur ne s'était pas présenté avec un placement en capital risque de 200 millions de dollars. OK. Mais écoute, malgré tout, il est en hausse de 49% aujourd'hui. Comme on dit en anglais, go figure. Mais non, c'est ça, oui, go figure. Parce que, ouais, parce que pour l'instant, là, moi, je pense que je vais annoncer une faillite dans mes entreprises. Non, mais si ça n'a pas d'allure. La compagnie est dans marde. Elle est à 66 cents à plus 49%. Mais elle plante depuis ce temps-là. Là. Comment ça se fait? Comment qu'une compagnie elle peut monter de même? OK, après ça, elle redescend. Là. Fait que regarde, là, on va se garder un petit gêne là-dessus. Là, pour un day trade, là, ça commence à 77-78 cents. OK, next. Oui, donc la prochaine, c'est ETNB, qui est 89 Bio, que ça s'appelle 89 Bio, ETNB sur Nasdaq, qui annonce les premières données positives d'un essai de phase 2B. Ben oui, Michel, 2B. Chez des patients atteints de du gras dans le foie. On va simplifier ah ouais, ça. C'est pour ça que j'ai un petit peu mal à gauche en bas, là. Ça doit être à cause de ça. OK, bon. Donc, c'est du gras dans le foie, si je ne me trompe pas. Le stéatotépatite non alcoolique, là. Et puis, évidemment, ça peut développer en des maladies graves si ce n'est pas traité, là.
Donc, ils ont des données positives sur les recherches qu'ils font là-dessus, sur un médicament dont je vous épargne le nom, là. D'accord, excuse, je m'étais trompé de graphique, là. J'ai touché à ma souris, on a changé de graphique, mais on voit. Il redescend depuis ce temps-là. Là, pour l'instant, il vaut 14 piastres. C'est 15 piastres et quart que ça redécollerait. Techniquement, là, mais j'y crois pas trop à leur patente. On a vu ça, regarde, on l'a vu ici, puis ici, puis ici, puis ici, puis ici, puis ici, puis partout. Puis là, encore ici ce matin, à la longue, elle finit par monter, là. Mais à court terme, regarde, elle est appelée à descendre, la compagnie. OK, prochaine nouvelle. La prochaine, c'est Diebold Nixdorf. DBD sur New York, qui confirme une clôture de 55 millions de dollars en liquidité supplémentaire. Donc, il confirme avoir reçu 55 millions là, de dollars en liquidité supplémentaire. Bon, une compagnie qui dilue puis qui monte. OK. Prochaine. Bon, l'autre, c'est Carvana, qui est CVNA sur New York, qui annonce qu'elle offre une possibilité. Celle-là est compliquée, j'ai essayé de la simplifier le plus possible, là. Donc, ils annoncent une offre de possibilité de conversion de billets non garantis avec une prime par rapport au prix de négociation actuel et de recevoir de nouveaux billets garantis. Une conversion de titres. De titre d'action, on parle. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait que ça passe de 13 à 20 avec un pourcentage. Ben, le pourcentage, il a l'air de rien, là. Ça a l'air de 8 % là, avec la hausse qu'on voit là. Mais à matin, c'était comme 50 % là, à peu près, là, 40 %. Puis là, elle ne l'est plus. Comment ça se fait comme. Ce que j'essaie de comprendre, là, c'est que ça se passe en intra-séance avec les institutions, puis quand ça arrive, quand le marché ouvre, ça retombe. Mais non, mais ouais, c'est tu pars de 20 piastres, de 20 cents, tu tombes à 14 cents. Écoute, c'est un méchant drop à l'ouverture. Donc, le marché est rempli de d'enveloppes brunes, là. Il est rempli de patentes. Moi, il y a même eu un arrêt de transaction à l'ouverture sur ce titre-là, CVNA sur New York. Nasdaq fait pas sa job. C'est ça mon point, c'est que c'est la bourse de Nasdaq qui fait pas sa job, qui laisse les petits investisseurs se faire flouer. Parce que t'es pas à bonne place, Michel. Hein? Quoi? T'es pas à bonne place. CVNA sur New York. Là, ben, c'est pas mal pareil. Des chars usagés. OK, il y a un petit peu... OK, j'étais pas sur le bon stock. OK, l'autre, c'est VTGN, c'est le prochain, je sais pas. OK, ouais. Mais ça change à peu près rien. On a vu ça, là. Regarde, on est rendu à la résistance, maintenant on redescend. Fait que le point d'entrée pour CVNA, c'est... 10 comme il dit pour faire des appels longue distance. 10 puis ton numéro là. OK. Bon, c'est 10. 10-4, 10-4, Michel. le prochain, c'est-tu VTGN? C'est parce que j'ai pas les nouvelles là, devant moi. Pourtant, tu as un update. Oui, tu l'as dans tes updates. Oui, mais je n'ai pas été la chercher. Ah, voilà. Donc, c'est Vistagen, VTGN, qui s'apprête à commencer un essai de phase 1 d'un vaporisateur nasal antidépresseur à réaction rapide. Donc, ça va se faire dans le premier trimestre de 2023, mais ça, c'est... C'est là, c'est maintenant. Là. Hey, je vais aller m'en acheter. Un antidépresseur, une pompe antidépresseur. Eh hey, bien, je pense qu'on va mettre ça à vendre sur notre site.
Parce que dans le marché baissier qu'on a là, là, on pourrait en vendre de ça. On peut-tu avoir un pourcentage chez les ventes? On pourrait en vendre à nos clients. Oui, ça, puis de la trédorette, Michel. Oui, de la trédorette, puis du je sais pas quoi, là, parce que je n'ai pas la nouvelle. J'ai pas le nom, non. OK. Bon, ouais, on a deux médicaments à vendre sur guru.tv. Un autre antidépresseur boursier, ici, là. OK. OK. Écoute, la bourse est tellement plate, on peut bien s'amuser. Pendant ce temps-là, Jocelyn, on est revenu à zéro sur Nasdaq. Oui. Puis on est en bas de zéro sur le Dow, on est en bas de zéro sur le SPY, puis on n'est pas loin de zéro sur le TSX. Fait que, OK. Me dire comme mon grand-père disait, on est bien mieux en bas de l'âne qu'en bas de zéro. Hey, toi, tu pourrais être le co-animateur de Bougardiouf. Comme disait mon grand-père, on est bien mieux en bas de l'âne qu'en bas de zéro. Hey, t'as absolument Bougard. Merci, Bougard. Hey, t'es-tu fini pour les nouvelles, là? Oui, c'est terminé, Michel. Et merci, Justin. Ça me fait plaisir. Moi, j'ai pas assez dormi, ça paraît. OK. OK. Mais c'est plate parce que le monde, il voudrait faire de l'argent, là, sa bourse, là. Tu comprends? Il y a à peu près 200 personnes en onde présentement qui nous écoutent déblatérer, là. Mais là, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On peut pas vous faire des promesses, là. Regarde, là. L'émission, là, dont 11h30, là, c'est ici. OK? Puis, j'ai-tu promis quelque chose, moi, à l'ouverture? Non, regarde. Je pense que je l'ai dit au début de l'ouverture que le marché descendrait pendant l'émission. Je pense l'avoir dit, mais peut-être que je ne l'ai pas dit. Mais c'est ça, la question, pareil. OK. Ça, je peux pas croire que ça fait une heure de show qu'on fait. À raconter ce qui se passe pas sur le marché. OK, on fait un petit break puis on vient. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté, des listes de codes préparées, des modèles graphiques préparés, prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. OK. Bon, attends, je lis les questions pendant les commerciaux comme je puis là, je suis crampé de rire parce qu'il y en a qui sont vraiment bons, là. Je suis vraiment bon. Celle-là est moins drôle, par exemple. Autre, je n'ai plus accès à ton émission sauf le mercredi, je suis peiné. Que faut-il faire pour écouter du lundi au vendredi inclus, tes commentaires me manquent. Ben, regarde, c'est pas compliqué, là. C'est pas moi, là. C'est la Banque nationale qui a décidé, là, qu'elle ne ferait plus nos émissions gratuites à tout le monde toute la semaine, à tous les clients de la Banque nationale. Donc, tous les clients qui sont encore branchés à la Banque nationale, mettons, là, OK, qui ont un compte ouvert à la Banque nationale, ils ont encore le droit à toutes nos émissions. Mais ceux qui ne sont pas clients à la Banque nationale ou n'ont plus l'émission du mercredi, mais l'émission du mercredi est libre à tout le monde sur la planète, là. Excepté que si vous voulez avoir tous les autres jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi, ben, on a un forfait sur Décision Plus qui vous permet de nous écouter tous les midis, toutes les émissions du midi, pour 250 $ par année. Donc, ça vous coûte une pièce pour les écouter.
puis vous appelez Mustapha, 514-392-1366, 1-877-392-1366, vous parlez à Mustapha, ou vous m'envoyez le courriel, puis ou info@decisionplus.com, ou vous me l'envoyez à moi, à Michel Carignan, @decisionplus.com, puis je vais le forwarder, puis vous allez pouvoir continuer à écouter les émissions. C'est pas ma décision, c'est la décision de la Banque nationale. Mais je peux rien faire. Je peux rien faire. Bonjour Michel, c'est toi notre Bob Barker de Price is Right. Longue vie à toi. Merci, bonne journée. Merci Mario. Je le prends comme un, je le prends comme un compliment parce que moi je l'ai toujours aimé Bob Barker avec son long micro de 2 pieds de long là, qui parle avec l'homme. Ouais, Bob Barker, je l'aime bien Bob Barker. Mais il est plus là, mais je l'aime bien. TEA, est-ce possible pour un point d'entrée à 31 cents? TEA. On va aller voir ça tout de suite, mon ami. TEA. Non. TEA. Tear Lash Resources. Tabarouette. OK. Il a fait une méchante trade, là. Il est parti de à peu près 20 cents, là. À peu près, là. Ouais, 25 cents. Il est monté jusqu'à 2,40 à peu près. Là. Ouais, 2,50 25 cents, 2,5. Donc, il a monté de 1000% ici, puis il est retombé jusqu'en bas. Est-ce que c'est le temps? Ben. Je connais pas la compagnie. Techniquement, si je regarde ça, je vais le mettre le plus de données que je peux. Là. On dirait qu'il est rendu sur un creux. Voyons. Attends un peu. Attends un petit peu. Là, ça, 30 minutes. OK. Je m'étais trompé. Bon. OK, la tendance, mais c'est déjà arrêté la tendance, mais c'est pas inversé. Ici non plus. Puis ici non plus. Fait que ce serait 35. C'est quoi 35? Quoi ça? C'est 30. Moi, 35 cents. 34, 35 cents le point d'entrée, mais je trouve ça inquiétant. Je la connais pas. Je peux pas vous parler de la compagnie. Je la connais pas. OK. La raison pour laquelle il rebondit là, c'est parce qu'il est rendu à son prix de départ. Ça m'a l'air d'une compagnie sur le bord de la faillite, techniquement. Là, je vous dirais que pour plus de certitude, là, 45 cents comme point d'entrée. Avant ça, non, moi, j'aime pas ça. Stéphane, il dit, « Moi, je t'apprécie comme tu es. Tu es mon mentor et mon coach de bourse depuis 14 ans. Merci, Michel. Continue ton bon travail. » Ça me touche profondément, Stéphane. Je te remercie beaucoup. La Fed annoncerait son taux à 13 heures. C'est supposé être 14 heures. Jocelyn? Tu vois la, c'est 14 heures. C'est 14 heures, hein, parce que Jean R. Il dit son taux à 13 heures, mais c'est 14 heures. C'est 14 heures, oui. Oui, d'accord. OK. C'est peut-être juste une faute de frappe, là. Moi, parce qu'une fois que le gars, il a pesé sur le piton puis qu'il fait go, mais la question est partie. T'sais. Fait que, il peut avoir fait une petite faute de frappe. Si les taux US montent de 0.25%, boy, on est rendu en pourcentage, on va bien. 25%, c'est 0.25, c'est ce qu'il veut dire, je suppose, Julien. Ce serait bon pour l'or ou non? J'ai pas assez dormi cette nuit, là. Ce serait bon. S'il monte le taux d'intérêt, il va faire descendre les marchés, ça va même monter là. Oui. La réponse est oui. Qu'est-ce que tu en penses, Jocelyn? Moi, c'est ce que je pense aussi. Ça devrait être bon pour l'or.
Ça devrait être la réponse. Oui, la réponse devrait être oui. OK. Journée difficile. Ouais, c'est dur. Oui, Ted, t'as bien raison. Que penses-tu de LYLT, Air Miles, pour un soin? Ah, Air Miles, c'est la pire. Il ne se transige plus depuis 2 jours. Ben, j'allais dire, c'est la pire cochonnerie qu'il n'y a pas, Air Miles. OK? Il en arrache. Même moi, j'ai une carte Air Miles qui ne marche plus depuis des années. Il n'arrête pas de me dire, avez-vous la carte Air Miles? Chez un coucher, avez-vous la carte Air Miles? Je dis, non, elle ne marche plus. Mais Air Miles, ils ne m'ont jamais dit, on va vous envoyer une nouvelle carte. Là. Donc, Air Miles, c'est une compagnie de broches à foin. Là. Ça n'a pas d'allure. Elle est en forte baisse, 5 ou 7 cents, mais elle ne se transige plus. C'est quoi? LYLT? Le dernier trade, dans la transaction de LYLT sur Nasdaq, était le 20 mars à 16 heures. Mais tu as bien raison. Puis regarde, si vous regardez, il l'appelle Loyalty Venture? Oui. OK. Bon, regarde, elle est partie de 32$ à 21 cents. Fait que c'est ça. Elle meurt. D'ailleurs, c'est mon ex-femme qui m'a appelé et m'a dit, avez-vous Air Miles dans votre compagnie? Débarrassez-vous de ça, ça va faire faillite. Hey, mon ex, la mère de mes enfants, que je suis divorcé depuis 1991. OK? Qui m'a envoyé un courriel la semaine passée pour me dire ça. Mais c'est pas rien. Merci, Claire. Donc, si tu penses à une baisse des marchés SQQQ pour une petite vite, on parle de day trade. OK, distance, il me demande pour un day trade pour SQQQ. Tabarouette. Mais regarde, c'est tout négatif. Mais oui, n'oublie pas là, que dans moins d'une heure et 20 minutes, là, il y a Powell qui va parler. Mais tu veux que je te fasse faire un day trade assumant que ça va être négatif? Je ne suis pas capable de te répondre à ça. Distance, là, voyons donc, je peux pas faire ça. Là. La presse conférence est à... la Fed presse conférence est à 13h30. 14. La conférence de presse est à 14h30. Est à 15h. Mais non, mais regarde, c'est toutes sortes d'affaires qu'on soit matin. Il y en a un qui a dit tantôt que c'était plus tard. Il y en a un autre qui dit que c'est à 13h30. La conférence, mais oui, mais les données sortent avant. Oui, les données vont être à... Ils sortent à 14h, les données, n'est-ce pas? Oui, tout à 14h. Écoute, moi, il faut vraiment Écoute, regarde, je vais fermer la barre de questions là, parce qu'il faut absolument que j'aille voir si j'étais encore un petit garçon. Là. OK? Sur Investing, il donne un inventaire de 1,12 barils pour pétrole. Puis. Oui. Oui, c'est ça, 1,12. Bien, c'est ça. Nouvelle dernière heure, pas de photos ni de menottes aujourd'hui pour Donald Trump. Ah oui, c'est une autre affaire, on n'a pas parlé, là. Il pensait l'arrêter. Il pensait arrêter Donald Trump là, pour je ne sais plus quoi, là, qu'il a fait. Là. Il disait que peut-être qu'il mettrait en état d'arrestation. Oui, mais là, le jury, ils ont off aujourd'hui, là, sont en délibération, je crois. OK, le jury est en délibération, fait qu'aujourd'hui, Donald Trump, il va coucher chez eux. Petit sondage, M. Powell, augmente les taux ou pas? OK, je peux vous faire ça. Ben, maudit, j'ai pas grand temps, puis... Puis il faudrait que j'aille au petit coin. OK. Powell va augmenter les taux d'intérêt, oui ou non? OK. La question est lancée. La Fed va augmenter les taux d'intérêt, oui ou non? La question est ouverte là-bas. Comment? Pourquoi je vois. Pourquoi?
Pourquoi je ne la vois pas là? Ah, écoute, OK, elle est là, là-bas. Ah! On est 80% oui. Puis 20% non. Ah, ça, ça me surprend. Ben, c'est parce qu'on n'avait pas de bouton neutre. Hey, il faudrait que je fasse faire un bouton dans le réflexe qui dit oui, non ou pas de réponse. Tu sais, ou je sais pas. Tu sais, oui, non, je ne sais pas. Pour l'instant, il y a juste le oui ou le non. Ça nous manque, ça. Ça fait plusieurs fois que je le fais dernièrement où je m'aperçois que ça manque d'avoir des gens qui disent « Je sais-tu, moi, s'il va monter ou s'il va descendre? » Au moins, tu verrais les gens qui ont une opinion positive, ceux qui ont une opinion négative, puis ceux qui n'ont pas d'opinion. OK, je vais parler de ça à mes développeurs. Je pense que oui ou non, c'est pas suffisant. Parce que j'ai toujours dit, c'est le chiffre 3. En haut, en bas, au milieu. Trop haut, trop bas, au milieu. Trop fort, pas assez fort, juste assez fort. T'sais, c'est comme... Non, il faut que je revienne là-dessus. Il ne faut pas que je l'oublie, celle-là. Là. Elle est importante. LUV, il dit « Journée difficile, chef. » T'as même pas d'idée. Attends, tu le ressens, mais moi, je peux te dire que je le ressens plus, encore plus que toi. Là. J'ai vécu un cauchemar. Hier, j'ai presque pas dormi cette nuit, fait que je suis pas aussi performant que d'habitude, et vous m'en excuserez. Ça brasse de la poussière. Bob Barker va avoir 100 ans en décembre. Es-tu sérieux? Hey, imagine-toi qu'est-ce que je vais avoir l'air, moi, quand je vais avoir 100 ans. Prochain, he is the winner, yes, yes, yes. Ah non, mais moi, c'était un de mes idoles, Bob Barker, là. Je l'ai tellement aimé, là. J'aimais ça l'écouter, là. Les femmes l'aimaient, tout le monde l'aimait, Bob Barker. Il était correct. Oups. Le dollar américain vient de partir encore en vrille, en baisse. Ouais. C'est pas facile de ça. Non, il se trade encore ce matin, il est 6 cents. Ouais, j'ai vu ça tantôt. Sur là. OTC. Sur Pardon? OTC. Sur OTC, baby. Ouais, d'accord. Sur le pink sheet. Je crois que Hermès se transige maintenant avec le symbole LYTV. Ouais, mais ça aussi, c'est OTC, baby. C'est autrement dit, il est rendu au purgatoire. Il n'est pas en zone d'enfer, mais il n'est plus au ciel. OK? Fait que là, il est rendu dans le purgatoire de la bourse qui s'appelle OTCBB. C'est Over the Counter Bullet and Board, que ça veut dire OTCBB. C'est ça. C'est LYLTQ sur OTCBB. Ben, lui, il dit LYLTV. Mais sur OTC Baby, c'est fréquent, là, qu'il peut avoir deux puis trois symboles sur la même bourse, là. C'est ridicule de même, là. Mais c'est ça. Fait que, pour l'instant, le dollar continue à chuter. Moi, je vais revenir, là, il y a une heure moins quart, là. Pour l'annonce de la Fed, là, Jocelyn va être en onde à 14 heures. Mais je vais venir en support, OK? C'est moi qui va checker, puis c'est lui qui va parler, OK? Puis on va être là tous les deux à 14 heures. Je vais être là moins 10, Michel. Bon, ben moi aussi. All right. Fait que à tantôt, Jocelyn. Moi aussi, j'ai hâte de voir ça, là, mais c'est toujours pas évident ce qui se passe là présentement sur le marché. Mais merci tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis on se retrouve vers les 2h-10, 2h-5. Là, on va dans ces eaux-là. Back on track. Yes. À tantôt tout le monde. À tantôt, Michel. Salut, Justin. À tantôt. Bye.